Bienvenue au lancement virtuel de la politique culturelle révisée de la MRC de la Côte-de-Gaspé. Je m'appelle Julie Pinault, je suis agente de développement culturel à la MRC et j'animerai ce lancement virtuel. Merci de votre intérêt. C'est un honneur de vous présenter le fruit d'un travail concerté pour le développement culturel d'ici. D'abord, j'aimerais vous inviter à visionner un mot de M. Daniel Côté, préfet de la MRC et maire de la ville de Gaspé. Bonjour tout le monde. Comme préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, c'est avec beaucoup de fierté que je joins ma voix à l'équipe de la MRC pour vous présenter la nouvelle politique culturelle de la Côte-de-Gaspé. Vous savez, la culture, c'est l'identité d'une population. C'est notre couleur, notre saveur. Ce sont les montagnes et la mer qui coulent dans nos veines et qui font rejaillir autant les images que les chansons, les goûts et les accents. C'est également le fruit de notre ouverture sur le monde, qui vient métisser et renforcer notre appartenance à notre coin de paradis. Notre tissu culturel mérite d'avoir une vision rassembleuse. C'est justement ce qui guide les orientations qui émanent de cette politique culturelle, une politique adaptée aux réalités et aux spécificités de notre territoire. Un grand merci à tous les acteurs derrière cette démarche et je nous souhaite collectivement du succès dans les résultats qui en sont attendus. Merci. Merci, M. Côté, pour vos bons mots. Retenons qu'effectivement, cette politique culturelle révisée est adaptée aux spécificités de notre territoire. J'aimerais maintenant vous inviter à visionner un mot de M. Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie et membre du comité de révision de la politique. Bonjour, mon nom est Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie. En tant que membre du comité de révision de la politique culturelle de la MRC de la Côte-de-Gaspé, j'ai le sentiment, comme mes collègues, du devoir accompli avec le dépôt du document sur lequel nous avons travaillé pendant plus d'un an. Ce fut une responsabilité exaltante à remplir. Les nombreux échanges que nous avons eus nous ont permis de mieux comprendre la complexe richesse de notre culture et son nécessaire enrichissement, tant pour nos communautés que pour nos visiteurs. Je voudrais saluer Julie Pinault, agente de développement rural, culture et communication de la MRC de la Côte-de-Gaspé, qui a mené nos réunions, guidé nos réflexions et encadré cette démarche avec délicatesse et aplomb. Vous avez entre les mains le fruit de notre labeur et des consultations qui ont nourri cette démarche. Un des points marquants de nos échanges était de toujours considérer les trois peuples fondateurs de notre coin de pays pour échafauder notre vision inclusive des identités propres qui confectionnent la tapisserie tissée serrée de nos communautés Mi'kmaq françaises et anglaises. Cette orientation des multiples regards portés sur notre culture commune nous a permis de constater l'importance de cette démarche pour la vitalité de notre MRC. Je souhaite que les valeurs qui nous ont guidés soient celles de l'appartenance, la coopération, la solidarité, le travail d'équipe, la création, le rêve, la spiritualité et l'éducation prennent vie à travers les projets culturels qui émaneront de l'exercice essentiel que nous avons réalisé pour la MRC de la Côte-de-Gaspé. Merci. Merci, M. Roussy, et merci à toutes les personnes qui ont pris part au processus de révision, particulièrement les membres du comité. Vous l'aurez sans doute compris, la révision de la politique culturelle confirme l'engagement de la MRC à agir et soutenir les arts et la culture. La politique culturelle renouvelée s'incarnera dans trois grandes orientations que je vous nomme à l'instant.
l'accessibilité des arts et de la culture pour tous et toutes, la culture comme vecteur de l'identité et de l'épanouissement individuel et collectif, et la culture comme un moteur de développement. C'est en 2010 que la MRC a adopté sa première politique culturelle. Depuis, elle a réalisé 52 projets culturels et a soutenu la réalisation de 106 initiatives d'organismes et d'artistes d'ici. Après 10 ans, une révision s'imposait. C'est pourquoi un comité de révision a été mis sur pied. Je vous nomme les personnes qui ont pris part à ce comité. Aline Perry, Anne Nobert, Camille Roy-Houd, Geneviève Plourde, Isabelle Turbide, Jean-Yves Dupuis, Jessica Sinotte, Joanne Murray, Jonathan Jean, Marie-Ève Trudel-Vibert et Martin Roussy. Merci particulièrement à toutes ces personnes qui ont mis du temps et de l'énergie dans le comité. Afin d'assurer la participation de la communauté, plusieurs stratégies ont été déployées. D'abord, un sondage en ligne et papier, anglais et français, afin de mesurer la perception des citoyens quant à l'offre culturelle sur le territoire. C'est quand même plus de 240 participants qui ont répondu au sondage. Ensuite, une rencontre de consultation avec des artistes, des artisans et des travailleurs culturels a été réalisée en collaboration avec Culture Gaspésie. C'est 25 participants qui ont pris part à cette rencontre. Ensuite, trois consultations publiques ont eu lieu à Douglastown, Grande-Vallée et Saint-Majorique où 50 citoyens ont répondu présents. Finalement, un sondage en ligne a été réalisé afin de valider les propositions de la nouvelle politique. 25 personnes ont donné leur opinion à ce sujet. La politique culturelle révisée a finalement été adoptée au Conseil de la MRC le 8 juillet 2020. Et c'est avec plaisir que je vous présente le contenu aujourd'hui. Quel rôle la MRC joue-t-elle en matière de développement culturel? Eh bien, la MRC facilite la concertation et le réseautage. Elle soutient des projets issus d'organismes, de municipalités ou de citoyens. Et finalement, elle coordonne des projets culturels et artistiques. En ce sens, l'un des outils privilégiés est l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Concrètement, quels sont les objectifs de la MRC avec cette nouvelle politique culturelle? Eh bien, je vous en lis quelques-uns. Faire rayonner l'offre culturelle et les ressources du territoire. Créer des occasions de rencontre entre les créateurs et le public. Faire des bibliothèques un lieu dynamique, créatif et ouvert sur la découverte. Stimuler l'engagement culturel des jeunes. Mettre en valeur le patrimoine bâti, immatériel, les savoir-faire traditionnels et les langues. Reconnaître et soutenir l'apport des artistes, des artisans, des travailleurs culturels et bénévoles au sein de la communauté. Supporter le développement numérique du milieu culturel et bien d'autres. Pour avoir tous les détails, je vous invite à consulter le document de diffusion de la politique, disponible en anglais et en français, sur le site www.côtedegaspé.ca dans la section « Développement culturel ». Merci encore à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la révision de cette politique culturelle pour faire goûter l'art et la culture. Et restez à l'affût des projets qui prendront forme bientôt. Merci.